C'est Hebdo, édition du dimanche 27 novembre 2016. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Bamenda en feu. Le chef-lieu de la région du Nord-Ouest a été le théâtre cette semaine d'une violence extrême. En effet, après plusieurs mois de menaces, les enseignants d'expression anglaise sont entrés en grève. Comme annoncé, c'était le lundi 21 novembre 2016. Et comme avec les avocats, les 7 et 8 novembre, la foule a une fois de plus rejoint le mouvement dans la rue. Tirs de gaz lacrymogène, incendie de pneus de voiture, il va sans dire que les événements de cette semaine ont de nouveau soulevé le débat autour de la question anglophone au Cameroun. Existe-t-il un problème anglophone au Cameroun? Quel crédit accorder à la thèse qui supporte l'idée d'une tentative de déstabilisation venue de l'extérieur? Mais surtout, quelles leçons doit-on tirer des événements de Bamenda de cette semaine qui ont d'ailleurs suscité une descente du Premier ministre, chef du gouvernement, dans cette ville? Vendredi, après la sortie jeudi à Yaoundé de 5 membres du gouvernement, à savoir Issa Tiroma Bakary, Laurent Esso, Jacques Fabien Dongo, Ernest Ngalema Sena Bibéré et puis bien sûr Youssouf Adidjam. Et au sortir de cette émission, ce sera peut-être au pas de course. On parlera du projet de loi de finances pour l'exercice 2017. En 2017, le gouvernement camerounais table sur un budget qui, équilibré en recettes et en dépenses, s'élève à 4 373,8 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 139,1 milliards de francs CFA comparé aux 4 234,7 milliards de francs CFA de 2016. Nous essaierons de comprendre ce qui justifie une hausse du budget dans le contexte économique actuel. Les thèmes ainsi présentés, je vous propose à présent de faire connaissance avec le panel. Je vais commencer par vous, Denis Quebo. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef adjoint au quotidien Le Jour. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Léla, c'est moi qui suis ravi d'être là ce dimanche encore. Peut-être que la gravité de la situation méritait que nous soyons ensemble avec les copanélistes qui certainement pourront aider à dire un mot sur ce vivre ensemble qui est en train de prendre un sérieux cours. Alors, avant le vivre ensemble, j'aimerais peut-être avoir votre réaction sur le scandale autour de la Miss Cameroun en ce moment. Moi, je pensais naturellement qu'on me posait la question de savoir quelle est la réaction que j'ai à la suite de la disparition de l'un des plus grands hommes de l'histoire politique du monde, Fidel Castro. Vous ne voulez pas réagir sur la Miss? C'était l'histoire de la Miss, mais c'est un fait divers camerounais. C'est un fait divers camerounais qui mérite que qu'on n'en parle pas. Donc, ça ne m'intéresse pas de savoir que les gens font du proxénétisme qui sont parrainés par l'État. Donc, moi, je ne suis pas partisan d'un État voyou. Je préfère parler donc, de la disparition de Fidel Castro, qui a inspiré beaucoup, beaucoup de jeunes à travers le monde, qui, avec sa disparition, va davantage nous fonder à défendre l'idéal de liberté, de résistance, parce que nous travaillons souvent sur les questions de sécurité, sur le terrorisme, et il est bon que le monde entier sache que les États-Unis d'Amérique ont commandité des attentats à Cuba qui ont fait 3 500 morts et 10 000 blessés. Les États-Unis ont commandité 638 tentatives d'assassinat contre M. Fidel Castro. Et de temps en temps, on oublie. Et on parle avec, dans les médias occidentaux, avec tellement de bassesse de ce pays-là que personne ne sait qu'à Cuba, la qualité de la vie est à peu près égale à celle du Canada. Et que la qualité d'éducation figure parmi les 5 premiers du monde, sous embargo pendant plus d'un demi-siècle. C'est bon qu'on prenne de tels exemples pour modèle, parce qu'il y a beaucoup d'anti-modèles chez nous et à travers le monde aussi. Voilà, une grande perte pour les révolutionnaires. Donc, je le disais tout à l'heure à Maître Assira, vous allez entendre ce qu'il va dire sur l'histoire, le scandale de la Miss Cameroun. Alors, on reçoit de ce côté Maître Claude Assira. Vous êtes avocat et enseignant. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci surtout de votre invitation. Bonjour. Bonjour à vous, les panélistes également, ainsi que l'ensemble de vos téléspectateurs. Alors, vous me faisiez remarquer vendredi que vous militez dans
deux formations politiques, le corps des avocats et le corps des enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire tout simplement que la politique, dans le sens fonctionnel du terme, qui constitue l'adhésion à un parti politique auquel on apporte une contribution intellectuelle, politique et autre, n'est pas du tout mon fort. Donc je n'appartiens à aucune formation politique actuellement enregistrée, recensée au Cameroun. En revanche, j'ai deux activités permanentes qui sont pour moi les deux fondamentaux à partir desquels j'essaye, moi, de décliner ce que j'ai au fond de moi d'envie, d'amour, d'amitié pour ce pays qui m'a vu naître. C'est pour ça que je suis un militant de tout ce que je fais, à la fois comme avocat et comme enseignant. C'est un peu comme celui qui va en politique dans un parti politique. Merci d'être avec nous, Maître Claude Assira. Juste à côté de vous, nous recevons quelqu'un qui, lui, milite dans une formation politique. Il ne fait pas que militer, il est d'ailleurs le président de l'UPC dit des fidèles. Monsieur Alexis Ndema, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour de m'avoir invité. Je dis bonjour aux copanélistes et bien entendu à de si nombreux téléspectateurs de STV. Bonjour également à Maître Julius Achou. Il est avocat et milite dans une formation politique, bien sûr. Bien sûr, je suis membre de l'RDPC. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, on va parler des événements malheureux de Bamenda de cette semaine, mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur la commission Yan. On va dire que 30 jours, on attendait vivement le rapport de la commission Yan après le drame des Écas, même si voilà, le décret du chef de l'État précisait que le rapport, les résultats du rapport, lui, seront remis à lui, Paul Biya, et non à la population camerounaise. Denis, on va peut-être commencer par vous. Pensez-vous que les victoires des Lions Indomptables, quelqu'un le disait sur un réseau social, pensez-vous que les victoires des Lions Indomptables et les événements malheureux de Bamenda de cette semaine ont, comme qui dirait, noyé l'attente du rapport de la commission Yan? Je crois qu'il y a un effort impressionnant que nous faisons tous les jours, à savoir d'aider les Camerounais à construire ce qu'on appelle une opinion informée. Et de moins en moins, les Camerounais, très rarement, les Camerounais ont une opinion informée. Si bien que la théâtralisation du discours, qu'il soit politique ou social, est devenue la mode. Pour rentrer dans l'histoire, il faut toujours aller fouiller. Nous soutenons que, en dehors de quelques conclusions partielles de l'enquête qui avait été commanditée par M. Aïdjo à la suite de la Coupe d'Afrique, du scandale de la Coupe d'Afrique des Nations en 1972, aucune commission d'enquête au Cameroun depuis notre indépendance n'a livré ses secrets. Jamais. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on ne sait sur quelle base est-ce que les gens attendaient les conclusions de l'apport de la commission d'enquête mise sur pied par le président sur le drame des Écas. Le président avait prescrit 30 jours à la commission Yan pour lui remettre un rapport à lui. Donc, rien à voir avec ceux qui attendaient, c'est au nom de quoi les conclusions d'une telle enquête. Sauf que rien n'empêche ceux qui attendent les résultats d'enquête de mener une enquête parce que nous sommes citoyens du Cameroun, nous sommes comptables de ce que nous devons participer, parce que nous ne sommes pas comptables de ce que tout le monde fait ici. Donc, chaque citoyen peut prendre sur lui, ou alors un groupe de citoyens peut prendre sur de rechercher la vérité un événement quelconque. Les victoires de Lyon, entre guillemets, je ne sais pas si vous voulez encore que nous on revienne sur les victoires de Lyon, je ne sais pas si vous appelez ça victoire, mais les victoires de Lyon sont comme la plupart des victoires du régime en place, c'est-à-dire des victoires forcées, des victoires fabriquées. On va peut-être poser. On réussit quand même à vous faire croire que nous avons la meilleure équipe, mais tous ceux qui ont l'habitude de regarder le football ailleurs, à la télévision, savent que nous n'avons pas une bonne équipe, notre équipe ne s'est jamais préparée, nous n'avons pas un championnat de football féminin, on ne sait pas comment, par extraordinaire, on parvient à avoir une équipe de football féminin alors que le football féminin se joue pas au Cameroun. Il faut dans l'effort de pédagogie que nous faisons, dire aux citoyens du Cameroun que tout se construit dans la vie. La victoire se construit. La réussite se construit, le départ aussi se construit. Alors, Maître Julius Achou, aucune commission d'enquête n'a livré ses secrets en dehors d'une commission mise sur pied par Amadou Aïdjo. Est-ce que vous pensez, comme Denis Kouébo, qu'on ne doit rien attendre de cette commission Yan? Vous savez, moi, je pense que je ne sais pas pourquoi le chef d'État aime trop, n'est-ce pas, ce fait de travail.
J'ai l'impression qu'il n'a même pas confiance à les institutions qu'il a mises en place. Parce que s'il faut, n'est-ce pas, réduire le Premier ministre, n'est-ce pas, de descendre faire une enquête, cela veut dire qu'il se pose un problème entre les informations qui filtrent, n'est-ce pas, pour arriver chez lui, n'est-ce pas, et ses collaborateurs. Quand le chef d'État a besoin de la vérité, il décide, non, il a décidé les gens, parce que cela veut dire que ceux qui sont chargés de la vérité ont souvent l'habitude, n'est-ce pas, de le cacher. D'où il a dit non, bon, cette fois-ci, moi-même, je prends les choses en main. Et ce qu'il a fait. Le procès va voir qu'il serait le meilleur chef de l'État, n'a rien à faire avec le peuple camerounais. Cela veut dire que ça va aider le chef de l'État à prendre une position ou à décider ce qu'il va faire par la suite. Bon, vous et moi, nous ne serons jamais au courant de ce qui a été dit. Et on attend seulement pour voir la réaction du chef de l'État à qui le rapport est adressé. Alors, Maître Claude Assira, le décret du chef de l'État le disait, la commission doit faire toute la lumière sur le drame des ECA, toute la lumière au moment où le nombre de morts reste encore disputé. Oui, ça c'est vrai que... Alors, pour répondre à votre question, moi, je pense qu'il y a deux considérations à prendre en compte dans le cadre de ce dossier. Il y a ce que j'appelle les faux problèmes, qui sont des problèmes de fond, des problèmes d'ambiance, d'environnement, et il y a le fond. Les faux problèmes, il y en a un qui est ancien, c'est le nombre de commissions, la composition, etc. Je pense que s'appesantir sur ce genre de problème, c'est un peu faire un procès d'intention. On peut, et je comprends très bien, ceux qui sont dubitatifs, en fonction du nombre de commissions qui ont été mises en place, ou parfois la composition, notamment de la commission Yang, on peut parfaitement s'interroger parce que on ne peut juger l'actualité que par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Et comme je l'ai entendu tout à l'heure de Denis Kwebo, ce qui s'est passé auparavant ne laisse pas toujours de l'espoir. Mais encore une fois, soyons prudents. Le deuxième problème est, lui, plus actuel, c'est la question du délai. Je n'ai pas envie qu'on s'égare dans des considérations, montre point, à essayer de voir, on a dit 30 jours, donc ce sera impérativement au 30e jour, à minuit, que le rapport devra intervenir, sinon on commence à suspecter qu'il y ait des cachotteries, etc. Je pense que toutes ces choses-là sont accessoires. On peut comprendre qu'une commission à qui on a donné une mission avec un délai puisse ne pas la remplir exactement dans le délai précis. L'essentiel, ça va être le fond. Il ne faut pas seulement déborder de trop le délai qui a été prévu. Maintenant, sur le fond, je dois dire que, ou je l'ai même déjà un peu dit, il faudra attendre pour pouvoir juger. Et j'espère que les personnes qui ont été désignées vont faire preuve de patriotisme, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est des Camerounais qui sont morts et c'est des Camerounais qui risquent de remettre en jeu leur vie en prenant les transports en commun dans le cadre d'activités normales. Donc il faudrait que nous puissions avoir des garanties. Et pour avoir ces garanties, il faudrait qu'une analyse, un diagnostic relativement objectif et précis de ce qui a pu se passer puisse être mis en place par les personnes qui ont été désignées à cet effet. Alors, Alexine Desmar, vous pensez qu'une fois que les responsabilités seront établies, les gens sont susceptibles d'être punis? Il faut d'abord que les responsabilités soient établies. Et je suis du même avis que les autres panélistes pour dire que ce rapport-là, il faut qu'il existe, il faut qu'il soit publié. Ce n'est pas seulement l'affaire du président. C'est une catastrophe nationale où... tous les Camerounais ont été ébranlés, à la fois ici et à l'étranger. Donc, il nous faut savoir exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, une parenthèse, ce n'est pas le seul rapport qui est attendu. Même le rapport technique au niveau de la caméra et tout doit être connu. Et il me semble, ce maître Assira me dira peut-être, il me semble même que le procureur, le procureur de la République au niveau de ces cas, a aussi a engagé aussi une action en justice. Donc tous ces rapports-là doivent être posés sur la table et que ce soit connu, que ce soit officiel, qu'on tire les leçons de manière claire, même si avant il n'y a pas eu de résultats, il faut que cette fois-ci qu'il y ait des résultats et qu'on avance. Donc c'est la posture qui me semble être la meilleure. Mais il faut qu'on sorte absolument du fait que Monsieur le Président de la République, tout puissant, il va décider tout seul dans son coin. Peut-être qu'on aura les résultats. Non, il faut sortir de là.
qui est sorti de là. Allez-y, maître, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je veux juste rajouter un point sur, que vous avez évoqué malheureusement, sur lequel vous passez plus rapidement. C'est la question de la mise à disposition de ce rapport. Je pense que ce n'est pas anodin. Ce sont des Camerounais qui sont concernés par ce drame, parce que vous pouvez vous douter que la plupart des dirigeants, les hauts responsables, ne se déplacent pas en train pour se rendre à Douala ou ailleurs. Ils ont d'autres moyens qui sont des moyens beaucoup plus sûrs, qui assurent leur sécurité. Donc c'est nous, la base, qui sommes concernés. Nous avons envie de savoir ce qui a pu se passer. Nous avons perdu des gens, des êtres chers, des amis, des gens qui ont eu des blessures physiques, qui sont morts, des gens qui ont eu des blessures psychologiques. Il faut que le peuple camerounais puisse savoir. J'allais dire que ce n'est même pas simplement pour nous, même pour la transparence, c'est-à-dire dans l'intérêt des personnes qui ont diligenté cette commission, il faudrait qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Et on n'aura rien inventé, parce que dans la plupart des pays où il y a des éléments graves qui nécessitent la mise en place d'une commission, ces commissions travaillent dans la transparence et on met le rapport après la présentation officielle au président, au mandataire, au commanditaire, on met le rapport à la disposition du grand public qui peut y accéder pour pouvoir lui permettre de se faire une opinion personnelle. Donc ce n'est pas banal que le dire, ce rapport doit pouvoir être mis à la disposition. Allez-y, Nicolas. Que vous nous demanderiez ce qu'il en est de la commission qui a été mise sur pied par le syndicat des agriculteurs du Cameroun, qui fait son travail. Je comprends bien les autres panélistes, mais on peut, sur notre honneur, jurer que Paul Biya ne pourra jamais rendre publiques les conclusions de l'enquête. Pour la simple raison que, sans enquête, l'État du Cameroun et Cambrai porte la responsabilité de ce qui est arrivé. Sans besoin, on n'a pas besoin d'aller faire que le train. Mais toi, d'accord. Ils sont les deux responsables. Et moi, je ne suis pas un juriste. Vous imaginez qu'il y ait cambriolage au tribunal, et c'est le président du tribunal, et ce n'est pas le greffier, le procureur qui décide de l'enquête et qui va le faire. Parce que il faut bien comprendre qu'ils ont les mains liées dans cette affaire. Donc nous sommes en train de faire notre travail parce que nous sommes des citoyens engagés, parce que c'est notre métier de faire des enquêtes, parce que c'est notre métier de faire des enquêtes pour en livrer les conclusions au public. L'État n'est pas tenu, dans certaines conditions, de livrer toutes les conclusions de ces enquêtes à tous les citoyens. L'État est tenu de prendre la décision qui s'impose. Et dans le décret, le président, et quoi que si les gens avaient été vigilants, il lui aurait dit dès le départ qu'il a pris une décision biaisée. C'est-à-dire créer une commission d'enquête qui lui remet le rapport d'enquête à lui, sans nous indiquer ce qu'il adviendra des conclusions de cette enquête. Donc, on avait décidé de faire ce travail parce qu'on était sûr de ce qui allait se passer. Et je crois qu'on va accorder un sursis de quelques jours, de quelques semaines à l'État, pour ne pas faire son boulot. Quand ce boulot ne sera pas fait, nous allons effectivement livrer les conclusions de notre enquête. Il faut déjà saluer notre compatriote Patrick Fandio, qui sur France 24 a fait le travail que nous demandions à tous les journalistes, à savoir que la meilleure enquête pour un journaliste en des circonstances pareilles, c'est d'aller sur le terrain. Mm-hmm. Et on a constaté que la presse camerounaise n'est pas allée sur le terrain. La presse camerounaise a passé le temps à dire ce que tout le monde avait dit. La presse camerounaise a récupéré quelques photos sur Facebook pour parler de ce drame. Je n'ai pas personnellement vu dans une télévision, je n'ai pas suivi sur une radio où était le point de départ de la dérive du train. On a souvent dit accident des ECA, comme si tout s'était passé à des ECA. C'est plus facile de se retrouver là, c'est plus facile aussi de suivre ce que se dit sur les autres médias et de le faire. Donc notre travail d'abord consiste aujourd'hui à porter le souvenir en faisant des enquêtes de terrain, des reportages de terrain, ce qui est en train d'être fait. Ce que les Camerounais veulent savoir, ils veulent voir, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Ils veulent les témoignages des riverains. Il y a tellement de monde sur ce trajet-là qu'ils méritent qu'aujourd'hui, on porte des témoignages. On ne l'a pas fait suffisamment. Il faut que les Camerounais
aillent sur le terrain. Il faut que la jeunesse aille sur le terrain. Et depuis que nous crions, ils ne vont pas sur le terrain. Il faut qu'ils aillent sur le terrain. Nous sommes partis sur le terrain. Et très prochainement, nous allons montrer ce que nous avons vu sur le terrain. Merci, Denis Kebo. Alors, on va sortir de ce sujet. On parle à présent de ces événements malheureux de Bamenda. On va le faire en deux temps. D'abord, la grève, les réactions qui ont suivi. Et puis, on abordera cette thèse déstabilisation, si on doit y accorder du crédit ou pas. Donc, on va commencer par vous, Denis Kebo. Tout est parti d'une grève des avocats d'expression anglaise le 11 octobre dernier. Mais si vous deviez dire un mot sur la tournure qu'ont finalement pris ces événements-là, avec un mort à la clé, qu'est-ce que vous direz? Un mort, hein, c'est le chiffre donné par le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique. On va commencer par rentrer dans l'histoire de ces événements parce que l'affaire ne commence pas uniquement ce lundi-là. Il y a eu des mouvements à Bamenda avant, il y en a eu dans le sud-ouest, et puis les enseignants ont annoncé un mouvement de déblayage ce lundi-là. Je crois que si on se souvient de ce que beaucoup de personnes disaient sur ce plateau, c'était prévisible. C'était prévisible. Et on ne peut pas, il ne faut pas parler de ce qui se passe à Bamenda en termes de manifestations de rue ou en termes d'un mort qui est eu ou pas, mais le problème est fondamental. Personnellement, en tant que journaliste, j'ai noté une confusion terrible venant de toutes parts, venant de la part de personnes qui avaient appelé à la grève et ils sont installés pratiquement dans la confusion. Parce que moi, syndicaliste, nous les syndicalistes, lorsqu'on veut porter un mouvement de grève, il y a un préavis de grève et le préavis énonce clairement l'objet et la nature de la grève. Lorsque on va manifester dans la rue, parce que je suis heureusement militant politique aussi, et nous, on annonce clairement la manifestation, on indique l'objet de la manifestation. Il se trouve donc à Bamenda, encore que la presse n'y était pas suffisamment, il faut le dire, c'est sur Facebook que beaucoup de personnes étaient renseignées sur ce qui allait se passer à Bamenda. Et ça a aussi renforcé la confusion. La violence est une production de la société. Ce n'est pas nécessairement les hommes qui produisent la violence. Et l'exutoire des frustrations, j'ai suivi que les jeunes de Bamenda étaient fâchés, ils étaient en colère contre le recrutement du personnel chinois pour l'exécution des travaux dans la ville. Il y avait une colère, c'est vraiment grave, contre le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine du Bamenda. Ça, c'est des choses qu'il faut dire. Sauf que ces événements-là se produisent au même moment. Il appartient à ceux qui ont la charge d'organiser, de sécuriser notre société, de faire en sorte qu'il y ait un écho suffisant de ce qui a pu se passer sur le terrain, ce qui n'a pas été fait. Donc, je crois qu'avec les autres compagnies, ils pourront peut-être aider à fixer carrément le décor de cette crise-là. Très bien. Pour que ce ne soit pas, pour qu'on n'arrive pas à ce qu'on est en train d'entendre sur beaucoup de personnes. Alors, l'affaire est sérieuse, le problème est sérieux, c'est une affaire nationale. Et ce n'est pas bon de commencer par la fin, c'est bon de commencer par le début. Justement, Alexine Denis Kebo évoquait, parlait d'une confusion. À la base, la grève, c'était les avocats, les enseignants. Sauf qu'à un moment donné, même les jeunes sont rentrés dans la grève, ils étaient dans la rue, et on entendait comme revendication, on veut des routes, on veut des hôpitaux. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ben, je pense que Denis Kebo a essayé de commencer un peu à tâter de ce côté, c'est-à-dire c'est une situation qui couvre un malaise. Qui couvre un malaise et l'étincelle peut venir de n'importe où. Ce qui est étonnant et dangereux, c'est de voir que la réponse du pouvoir à travers la conférence de presse des ministres toujours a semblé donner une réponse laconique à cette histoire, à savoir qu'il n'y a pas de problème. Il n'existe pas un problème. Là, c'est quelques délinquants, il me semble que c'est le terme qui a été utilisé. C'est quelques délinquants qu'il faut remettre à l'ordre et puis l'affaire est terminée. Et si on résout ce problème comme ça, eh bien, dans un mois, dans deux mois, dans un an, le problème va revenir.
Parce qu'il ne faut pas avoir une langue de bois par rapport à ce problème-là. On peut l'appeler comme on veut, problème anglophone, problème je ne sais pas quoi, mais il y a un problème. Il y a un problème. Et moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'attelle à clarifier peut-être les origines de ce problème, où c'est qu'on en est, de manière à aider un peu l'ensemble de la nation à affronter ce problème sans tabou. Si on est d'accord que ce sont nos frères à nous, qui sont d'expression anglaise aujourd'hui, nous, on aurait pu être aussi, par les hasards de l'histoire, une autre expression, mais nous sommes des frères, nous avons, nos parents ont vécu ensemble à un moment donné, sans être anglophone ou francophone. C'est la vérité. Donc, qu'on pose ce problème sur la table, qu'on en débatte le plus calmement possible et qu'on trouve des solutions. Alors, maître... Voilà un peu la posture que je pense qu'il vaut mieux avoir. Sinon, il y a quelques éléments qu'on pourrait rajouter dans le débat. Très bien. Alors, maître Claude Assira, Alexine Dema le faisait remarquer, le malaise est profond. La grève des avocats et celle des enseignants n'était que l'arbre qui cache la forêt. Vous pensez que c'était prévisible, effectivement, comme eux ? Oui, je pense que c'était prévisible. Vous savez, beaucoup de mouvements insurrectionnels, je pense par exemple à la Tunisie, ont commencé par une toute petite étincelle. Hein. C'est un jeune homme, un vendeur à la sauvette en Tunisie, un Sisi, qui, en s'immolant par le feu, à ce moment-là, on ne le savait pas, mais déclenché le processus qui va conduire au départ du président Ben Ali du pouvoir. Après beaucoup de manifestations, de casse et autres. Donc je pense que parfois ce sont des petites étincelles qui font partir les grands incendies. Denis Kouibo disait tout à l'heure que ça a commencé depuis bien longtemps. Mais là, la genèse, là, particulièrement, c'est de Douala. Vous vous rappelez qu'il y a à peu près un mois de cela, les avocats anglophones posent une revendication qui est tout à fait légitime. Ils ont envie d'avoir des textes traduits dans leur langue. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre que de dire aux gens, nous sommes dans un pays, nous avons un outil de travail, ça fait depuis 1997 que nous sommes rentrés dans l'OADA, qui est devenue aujourd'hui notre loi, nous l'avons admise. Donc le problème n'est pas de dire si on accepte ou on n'accepte pas, on l'a admise, on veut travailler avec, mais simplement, donnez-nous les outils dans la langue que nous pouvons manipuler le plus facilement, le plus simplement. Ils n'ont rien fait pour être anglophones, comme nous on n'a rien fait pour être francophones, seulement c'est le cas, c'est la situation. On veut des éléments qui nous permettent de travailler. Ils veulent faire une conférence de presse. Dans un premier temps, on leur donne l'autorisation. Puis après, elle est subrepticement retirée. À partir de ce moment-là, vous avez le sentiment qu'aucun moyen d'expression normal, légal, n'est possible. Il faut donc rentrer dans le combat. Et ça, malheureusement, était le cas. Donc cette petite étincelle conduit à l'incendie, puisque l'ensemble des frustrations que les uns et les autres ont accumulées depuis des années, parce qu'on peut nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone, mais j'aimerais bien pouvoir... C'est une grosse hypocrisie, puisqu'aujourd'hui, les équilibres qui gouvernent à la constitution des gouvernements, aux nominations et autres, etc., intègrent forcément la dimension anglophone. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui que ceux qui revendiquent l'appartenance à telle ou telle région ont tort, parce que ça fait partie aujourd'hui d'un mode de gouvernement. Sauf que, à un moment donné, il faut pouvoir, quand on a adopté l'équilibre régional, se rendre compte au bout de 50 ou 60 ans d'indépendance, refaire le point, convoquer les gens sur une table pour essayer de voir si les orientations qu'on a prises autrefois sont bonnes ou pas. Je pense que c'est l'occasion de ce débat aujourd'hui et je crains que les réponses ou les simili-réponses que je vois poindre ici à gauche, à droite, n'aient pas pris la véritable dimension de ce problème qui, et moi je vais peut-être dépasser un peu ce que disent mes collègues copanélistes, a peut-être des conséquences camerounaises, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui le monde est rentré dans un grand questionnement. Le Brexit a eu lieu en Angleterre. Beaucoup de gens conduisent à penser que la nomination dernièrement de Trump, l'élection de Trump, fait partie de cette exigence de nationaliste. Et vous voyez combien aujourd'hui les pays ont envie de sortir de la CPI parce qu'ils veulent exprimer leur liberté, leur indépendance. Donc je pense que ce mouvement fait partie de cet ensemble, même s'il est aujourd'hui simplement un spectre national. Il faut avoir une vision qui est beaucoup plus large que la seule vision
vision qu'on en a aujourd'hui. Alors, maître Julius Achou, est-ce qu'il existe un problème anglophone au Cameroun? Parce qu'avant la sortie du, avant la descente du Premier ministre Abimenda, on a pu écouter un autre Camerounais sur le poste national, Paul Atangadi, pour ne pas le citer, qui faisait savoir qu'il n'y a pas de problème anglophone. Vous pensez, vous, qu'il y a un problème anglophone? J'aimerais savoir s'il parlait pour lui ou bien s'il parlait pour tous les anglophones, parce que je précise également que vous êtes anglophone. Moi, je pense que les gens n'ont pas compris le ministre Atangadi. Le terme anglophone au Cameroun a évolué. Je peux pas, mais vous avez des enfants maintenant, donc ils sont même maintenant anglophones. Donc ce terme a évolué de telle sorte que ça ne représente pas la même chose qu'il y a avant 1970. On a un problème des Camerounais, l'expression anglaise. C'est ça qu'il a en train de dire. Qu'il faut comprendre. Donc il y a une différence entre le problème anglophone et le problème, n'est-ce pas, d'expression, le problème des Camerounais, l'expression anglaise. Les Camerounais des droits anglais ont accepté que nous appartenons au Cameroun. Et lorsque nous sommes venus, n'est-ce pas, pour rester ensemble, il y avait un certain nombre de dits. Et ce nombre de dits acceptés, qu'on va essayer de mélanger un Cameroun, n'est-ce pas, qui est équitable pour tout le monde. Mais on a constaté, n'est-ce pas, qu'à un certain moment, nous sommes comme si on a été trompés dès le départ. Et la bonne foi qui existait entre nous était en train de disparaître. Bon, les avocats ont pris sur eux de commencer par une simple question, n'est-ce pas, de traduction du texte. Traduction, pas même que le texte soit fait d'abord, dès le départ, dans l'anglais, mais la traduction. Les mémos ont été envoyés, n'est-ce pas, aux autorités de la place. Ça fait presque 2 ans. Aucune réaction. Parce qu'on a constaté qu'il y a un problème de mal gestion des ressources humaines camerounaises. Vous ne pouvez pas prendre un francophone, quelqu'un d'expression française, parce que je préfère ce mot, parce que ça est voulu, un Camerounais d'expression française, pour envoyer dans la zone anglaise, pour qu'il enseigne, n'est-ce pas, le Camerounais d'expression anglaise, n'est-ce pas, en français, ou français-anglais mélangé. Bon. Il a été formé, par exemple, concernant les avocats. Les magistrats ont été formés, n'est-ce pas, en français à l'ENAM pour enseigner un certain nombre de matières en ce qu'on appelle droit civil, aussi, dans les lois qui viennent, qui ont leur origine de la France. Dans Napoléonique. Bon, Napoléonique, les côtes, ainsi de suite. Mais ils quittent cette atmosphère de côtes pour aller, n'est-ce pas, fonctionner, dispenser la justice de soi dans une zone qui est là, il y a le commun, qui est un peu différent. Premièrement, ils ne parlent même pas la langue que les justiciables pour comprendre. Deuxièmement, ils ne comprennent pas la façon, parce que le problème se pose, c'est surtout au niveau des procédures. Ils ne connaissent pas comment la procédure se passe. En fin de compte, il y a une confusion totale, telle sorte que les avocats de la place ne comprennent pas de quoi, pourquoi on a envoyé ces gens ici. Quand ils revendiquent, parce qu'il faut noter que les Camerounais d'expression anglaise ont l'habitude de revendiquer. Quand ils revendiquent, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le pays, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a une injustice quelque part, ils ne vont pas régler. Et quand ils revendiquent, c'est auprès des autorités pour qu'ils puissent regarder comment régler ce problème. Mais quand ils revendiquent, il y a toujours l'inertie, on ne fait rien. On tourne pour regarder tous les textes, à dire que mais, nous parlons seulement de WADA. Tous les textes du CEMAC sont faits en français. Tous les textes, n'est-ce pas, en matière de banque sont en français. Tous les textes en matière administrative sont faits en français. On a même regardé la création même des universités partout au Cameroun. Il n'y a que ça en français, il n'y a rien en anglais. Et on s'est dit, mais quand même, ce n'est pas normal. Lorsqu'on est venu, il y a que voilà le problème se pose. Au lieu de le régler, au sujet de le régler, on prend les avocats, n'est-ce pas, comme des ennemis de la maison. C'est la même chose avec l'enseignement. On prend les enseignants qui ont été formés en géographie, pour enseigner la géographie. Et on les affecte dans la zone, n'est-ce pas, anglais, pour qu'ils viennent enseigner la géographie. La géographie est différente des géographies. Ils vont même parler dans quelle langue? Ils n'arrivent même pas à causer l'anglais. Ils vont même enseigner ces enfants-là comment? Donc on a estimé que, mais on prend, n'est-ce pas, les Camerounais sur l'anglais, comme, est-ce que nous sommes un peuple, n'est-ce pas, assimilé, ou un peuple, un pays dans lequel il y a eu une conquête, n'est-ce pas, après une guerre?
C'est ce genre de revendication qui a poussé même les enseignants de faire des mémorandums auprès de leurs ministres, parce que tout était adressé à des autres ministres. Mais qu'est-ce qui se passe? Le ministre convoque une réunion, il appelle les autres syndicats, n'est-ce pas, qui ne sont pas les syndicats qui gèrent le problème. Justement, puisque vous parlez justement de réunion, il y a cette autre réunion convoquée par le ministre Laurent Esso. La plupart d'avocats leaders de ces grèves là n'ont pas assisté à cette réunion. Je crois savoir que vous avez pris part à cette réunion. Bien sûr, je prends part à cette réunion. Oui, j'aimerais parce que je suis camerounais, je n'aime pas la politique de les la autres avocats vide. y ont vu. Ils ne sont pas venus parce qu'ils estimaient que le ministre devait d'abord les appeler pour demander de quoi s'agit-il. Vous pensez comme eux? Non. Je veux savoir exactement ce que vous pensez. Non, si je pensais comme eux, je n'allais pas assister à ces réunions. Ouais. Ils ont estimé qu'ils devaient d'abord les demander, ou bien envoyer les émissaires pour demander, mais quel est le problème, n'est-ce pas, avant de convoquer une réunion d'ordre général. Bon, bref, c'est leur avis. Et c'est normal, nous sommes dans la démocratie. Chacun a le droit de décider, de penser comme bon lui semble. Mais nous avons un pays dans lequel on n'a pas compris, on ne se comprend pas. C'est-à-dire, ceux qui d'expression française et ceux d'expression anglaise ne se comprennent pas. Parce que, normalement, lorsqu'il y a un problème comme ça, on attend que l'autorité, n'est-ce pas, de la place, fasse une descente sur le lieu. Vous remarquez la différence. Le Premier ministre a fait une descente sur le lieu. Mais le garde des Sceaux a attendu, n'est-ce pas, qu'on revienne chez lui. Donc, ces approches différentes, et on constate que lequel de ces approches, n'est-ce pas, peut vite régler le problème. C'est la même équipe pour mes plans. Donc, ça veut dire quoi? Non, c'est une question de compréhension. Oui. Non, le Premier ministre, on dit qui peut le plus pour le moins. Il a décidé de le faire en tant que Premier ministre. Parce que voilà ce que les anglophones attendent, ou les Camerounais d'expression anglaise attendent, n'est-ce pas, des autorités. Lorsqu'il y a un problème, viens vers eux. N'avez pas peur. Justement, toutes ces réactions, Denis Kobo, Atangadi, la sortie des 5 membres du gouvernement, la sortie avant mardi de Laurent Esso et le Premier ministre qui décide d'aller à Bamenda, toutes ces réactions-là, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous n'allons pas accorder une carte blanche à une seule personne. Il faut déjà dire que faut être peut-être plus vrai encore. L'élite d'expression anglaise qui est au gouvernement attise toutes les tensions qu'il y a actuellement à Bamenda et à Bouya. À commencer par le Premier ministre. Et le Premier ministre n'a jamais voulu descendre sur le terrain. Il est plus arrogant, bien plus arrogant que M. Esso. Donc le Premier ministre n'a jamais décidé d'aller à Bamenda. À un moment donné, je crois qu'il y a eu des réunions de secrétaires. On a dit, ben, ceux qui prétendent même être les représentants des régions d'expression anglaise ici, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Sur ce plateau, nous avons remarqué que depuis qu'il y a une crise sécuritaire grave dans les régions septentrionales du pays, toute l'élite des régions septentrionales se tait. Elle se tait pourquoi? Parce que ça les arrange. Ça les arrange qu'il y ait des problèmes à la base, comme ça ils auront la position de pouvoir en haut, au sommet. Et c'est ce qui se passe avec... Vous savez, quand un... appelons ça anglophone. Quand un anglophone a un problème, quand il y a un problème dans un anglophone, pendant qu'une élite est ministre ou recteur ou DG de société, lui, ça ne lui pose aucun problème. Ce n'est qu'au moment où il quitte ses fonctions au gouvernement ou au sein d'une grande république qu'il constate qu'il y avait effectivement un problème. Et c'est pour ça qu'il dit que le peuple qui vit dans ces régions-là est l'otage des élites. Parce que c'est les élites qui, en premier, disent qu'il n'y a aucun problème. Oui, il n'y a aucun problème. Et il faut aller un peu plus loin pour dire que moi je suis d'expression anglaise et je ne suis pas on a dit ici dès le départ, vous avez vu au niveau du barreau la corruption qui est au barreau aujourd'hui, parce qu'il est tenu par les francophones. Quand il était tenu par les anglophones, il y avait cette même corruption des dirigeants du barreau. Depuis que les avocats anglophones ont parlé, le barreau n'était pas avec eux. Quand ils ont revendiqué la traduction du document, personne n'a rien dit. Ça ne pose aucun problème parce que vous savez qu'il paraît que dans le monde judiciaire aujourd'hui, il y a beaucoup d'alliances, il y a beaucoup d'amitié entre tel avocat, tel magistrat pour gérer tel ou tel dossier où on négocie les verdicts souvent. Donc ça n'a pas permis que la revendication des avocats anglophones, qui n'officient pas seulement dans les zones anglophones, soit, n'est-ce pas, portée par l'ensemble du groupe. On a fait comme si c'était une affaire des gens qui sont à Bouya et à Bamenda. Alors qu'il y en a, il y a des avocats anglophones qui sont ici à Douala, qui sont à Yaoundé.
qui défendent des clients qui ne sont pas seulement francophones. Lorsque on dit que le gouvernement qui est à Yaoundé est un gouvernement incompétent, cette incompétence ne s'applique pas seulement aux francophones. Quand un gouvernement ne peut pas louer un bus normal pour aller accueillir une équipe de football qui vient de l'étranger, vous pensez que c'est parce que l'équipe là est égyptienne ou parce que c'est les anglophones? Parce que ce gouvernement est incompétent en tout. Ce gouvernement est incompétent en matière de propagande. Il est incompétent en matière de dialogue. Un groupe de Camerounais, comme Maître dit, pose des revendications auprès de l'autorité établie. Parce que quand vous avez posé vos revendications auprès de l'autorité, ça veut dire que vous n'êtes pas en rébellion contre l'autorité. Si vous écrivez au ministre, ça veut dire que vous reconnaissez le ministre comme autorité. Vous écrivez au premier ministre, ça veut dire que vous reconnaissez le premier ministre comme autorité. Est-ce qu'il ne revient pas à l'autorité d'affirmer justement cette autorité-là en adressant le problème, même si ce n'est pas une solution, mais descendre sur le terrain. Vous avez suivi, moi j'ai encore suivi vos fameux ministres l'autre jour. Ils sont d'une arrogance qui cache en fait leur incompétence. Ce n'est pas que, c'est pas autre chose. Est-ce que eux-mêmes, vous parlez de complot, est-ce qu'ils ne sont pas dans une dynamique de chantage vis-à-vis de la personne qui les a nommés? Ils sont devenus aujourd'hui, le premier ministre est devenu incontournable parce que c'est lui qui doit négocier à Bamenda. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est lui, il est incontournable parce qu'il peut faire basculer d'un côté ou de l'autre si j'ai mal cette question des anglophones. C'est avec beaucoup de désinvolture qu'il parle. Donc, ce que je peux dire, pour ne pas oublier, c'est que le gouvernement qui est incompétent à trouver un bus normal pour aller prendre les bagages à l'aéroport, c'est ce même gouvernement qui est incompétent pour savoir que au moins deux capitales régionales du Cameroun, c'est-à-dire Bafoussam et Bamenda, doivent être... Et c'est ce gouvernement qui doit faire en sorte que, pour aller à Bangem, dans le sud-ouest, on ne soit pas obligé de remonter, aller passer par Melon. À ce moment-là, il y a une tendance pour les services de Biya à diviser le peuple du Cameroun dans sa lutte pour la justice et la liberté. Et cette division-là vient d'être là. Parce que vous savez qu'on est à la veille des grands enjeux, 2018. Lorsqu'on vous pose le problème anglophone tel qu'il est posé là, ça veut dire que ceux qui n'ont pas de route à Bamenda, ceux qui n'ont pas de route à Boya, vont se désolidariser de ceux qui n'ont pas de route à Bertois, ceux qui n'ont pas de route à l'extrême nord, face à celui qui a la charge d'accorder les facilités de base aux citoyens. Il faut, personnellement, et ceux qui pensent comme moi, sont d'accord pour constater cette diversion-là. Parce que tout à l'heure, vous avez entendu le mot, on a dit c'est une revendication sécessionniste. Oui. Les services du régime font dire à certaines personnes qui sont en droit d'être en colère qu'ils veulent la sécession. Ces mêmes services font dire aux gens que non, si nous on est en grève, c'est parce qu'on veut le fédéralisme. Ce n'est pas ce que nous avons entendu au départ. Au départ, il y a eu des problèmes réels qui ont été posés, des problèmes réels qui restent entiers, des problèmes qui méritent aujourd'hui que ceux qui ont la charge de nous diriger arrête de venir se donner un spectacle à la télévision apporter des solutions. Merci Denis Kobo. Alors avant d'aller plus loin, je propose qu'on prenne cette réaction. Vous le disiez, le Premier ministre était à Bamenda. En deux jours, il s'est entretenu avec les grévistes. Au sorti de là, quelques réactions ont été enregistrées. Je propose qu'on prenne ces réactions-là. Strike continues. It's a sit-in strike so the soldiers can go home. We would like to say that what has taken place this evening is that the channels for dialogue have been open. Nothing concrete has come out of it beyond opening a window of opportunity for there to be dialogue. And on that account, the lawyers are unanimous that they are not suspending or calling off the strike action. In terms of concrete realizations with the issues that we raised as lawyers that led us to this strike action, we didn't really achieve them all. But he assured us that by Friday, he will make a statement with regards to the returns of wigs and gowns of lawyers that were seized in Boya. And also we expected him, or we
told him that we need an official statement from the government condemning the attacks in Bamenda and in Boya, and he assured us that by next week he will also give a response. He was very frank, he was very open, but like what Barrister Boga said, the government has to put measures in place. The government has to show its good faith. We cannot call off the strike. Our situation cannot be worse than when we had before we went on for the strike action. So we will still continue with the strike, probably till the end of this year. Issues could not easily be articulated to arrive at a consensus. We decided to ask for a break, that we should regroup and re-strategize, because they were pushing us to the wall to see whether we could call off the strike. We could not at that moment because we had not come to concrete agreements on what to do. So it is on the score of this that we decided to suspend the sitting to regroup again, and we'll be meeting them back at 7. It is only after 7 o'clock in the evening that we'll be giving a definitive statement about the strike issue. For now, the strike continues. So the trade union leaders have been marked. We have information from Boya that Dr. Fontaine's home has been visited by civilian Turks. I mean the security. At night, we know what that means. I have received 3 calls telling me not to sleep at home today. So you know what that means. But we are prepared to die for this cause. There should be a cause for which a man is prepared to die. This is a cause for which I am prepared to die. Alors, très bien. Maître Julius Achou, on l'a compris, après les 2 jours d'échange entre le Premier ministre et les grévistes, le mot d'ordre de grève n'est pas levé, la grève continue. Qu'est-ce qu'il peut l'expliquer? Ces grévistes attendent, n'est-ce pas, la bonne foi, n'est-ce pas, de l'autorité. C'est-à-dire, il faut que le Premier ministre ou le garde des Sceaux, le chef de l'État, prendre des mesures, n'est-ce pas, conservatoires pour démontrer les bonnes fois. Il y a un certain nombre de choses qu'on doit régler. Bon, c'est une bonne approche. C'est la première des choses. Comme on vient d'avoir les actes uniformes au HAD en anglais, c'est vraiment à féliciter. Parce que c'est sorti il y a cela 2 ou 3 jours. Enfin. C'est une bonne chose. Et deuxièmement, il faut qu'on essaie de régler, n'est-ce pas, le problème personnel, qui n'est même pas très compliqué. Donc, il faut des mesures conservatoires immédiates qui peuvent être réglées immédiatement pour que ça change. Il faut qu'on crée même une commission, n'est-ce pas, pour qu'on regarde, n'est-ce pas, la rédaction des textes au Cameroun. Ce n'est pas compliqué. On connaît même les intellectuels qui peuvent le faire. Les actes de forme ont été supervisés par les magistrats que nous respectons beaucoup, comme Madame Assoua Bor, comme Justice Epouli. Donc, c'est les magistrats qu'on a vus à l'œuvre depuis, n'est-ce pas. Ils ont été des juges un peu partout. Comme Madame Assoua Bor, il a été même présent sur la grande instance ici à Douala. Donc, c'est les magistrats qui sont reconnus, n'est-ce pas, qui sont capables de le faire. Mais il faut qu'on les utilise. Il y a un problème, n'est-ce pas, de gestion, n'est-ce pas, des ressources humaines de ce pays. Il faut l'État, n'est-ce pas, plus utiliser ceux qui peuvent utiliser, n'est-ce pas, pour faire le travail bien. En plus, le Cameroun est le premier exportateur, n'est-ce pas, de traducteurs et interprètes. C'est parce qu'on ne les utilise pas au Cameroun, qu'ils s'en vont ailleurs. Pourquoi on les laisse partir? On les forme, on les laisse partir parce que le Cameroun ne prend pas soin d'eux. Donc c'est ça le problème. C'est ça qui cause l'inertie dans le système, de telle sorte que les gens sont un peu énervés et fâchés. Mais si le Premier ministre ou qui de droit prend les mesures conservatoires, je suis sûr que les grévistes vont suspendre leur mot d'ordre. Alexine Desmassures, la même question. Oui, je voudrais ne pas m'enfermer dans la posture de solution d'ordre technique, comme un des ministres a dit d'ailleurs, parce que c'est des problèmes qui ont des solutions. Ça ne devrait pas mener jusqu'à une grève. J'ai eu la bonne foi d'exprimer, en tout cas, du ministre d'enseignement secondaire, du ministre de l'école de base, pour dire qu'effectivement, il y a des problèmes, mais qu'ils peuvent trouver des solutions, on n'a qu'à se calmer et tout. Donc ça peut amener à ce qu'on arrive à des solutions stables. Par contre, il y a d'autres problèmes qui ont été posés et qui me semble être la base de ce qui est la base du malaise. Nous avons 2 ministres, je crois que c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Justice, qui disent, bon, ok, nous sommes sur le bon chemin, dans 2 générations, nous serons tous bilingues, hein, et voilà, et le problème est résolu.
Ça, c'est un peu comment ils voient le demain. Et je me réjouis que le maître Assira, tout à l'heure, nous a dit de voir un peu comment tous les autres peuples sont en train de se projeter. Donc, nous, est-ce que c'est comme ça qu'on envisage notre pays? C'est-à-dire que c'est la langue qui va déterminer ce que sera demain notre pays. Dans une école où il y a à peu près 40% d'enfants qui abandonnent même en chemin, qui n'ont même pas approché la grammaire anglaise. Mais demain, c'est que nous serons français, anglais, et le tour est joué. Non, on ne va pas tricher avec le problème de ce sentiment, comment dire ça, d'être des personnes, disons que nos frères d'expression anglaise sentent qu'il y a un problème. Il faut attaquer ce problème. Et nous pensons, nous, quand je dis nous, c'est que je sais que mes camarades perçoivent ce problème-là de la même façon, c'est que nous avons intérêt à revisiter les causes de ce problème. Pourquoi on en est arrivé là? Et pour le faire, on est obligé de s'asseoir et se regarder. Les conditions mûrissent pour que on s'assied enfin pour essayer de bâtir notre être ensemble. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y aura d'autres aspects par rapport à les problèmes de route, les problèmes de l'éducation et tout. Mais ça, c'est toute la nation qui a ces problèmes-là. Les mémorandums nous ont rappelé que chaque département, chaque arrondissement a des problèmes du quotidien. Mais notre bien-être ensemble est à redéfinir. Et tant que nous n'avons pas réglé ce problème-là, nous allons naviguer. Nous allons naviguer. Il faut revisiter la manière dont on est arrivé à être ensemble. On trouvera des solutions. Très bien. Et pour avancer. Alors, Maître Claude Assira, le ministre de la Justice annonçait l'organisation très prochaine des États généraux de la Justice. Qu'est-ce qu'on peut y espérer? Alors, peut-être avant de répondre à votre question, oui, je voudrais dire quelque chose, deux ou trois petits mots sur le débat d'auparavant. Vous savez, il y a deux façons de régler la fièvre. Vous avez des gens, quand ils ont la fièvre, ils décident de casser le thermomètre pour ne pas voir la fièvre monter. C'est ça. Je crains malheureusement que ce soit vers cette option-là que beaucoup de ministres se soient engagés. En revanche, si vous décidez de vous attaquer à la fièvre, que vous maintenez votre thermomètre, il faut encore pouvoir faire le bon diagnostic. Parce que si le diagnostic est mauvais au départ, il va sans dire que la thérapeutique qui va suivre va elle-même être mauvaise et elle ne pourra pas permettre de régler le problème. Et je crains, personnellement, et là je ne vais pas tout à fait aller dans le même sens que mon confrère aîné, estimé, respecté. Voilà, parce que moi je ne pense pas que les décisions techniques qui sont envisagées puissent suffire à régler le problème aujourd'hui. Je m'explique. Les conservatoires, pas techniques. Les mesures conservatoires, oui, oui, tout à fait. Okay. C'est mieux dit. Pas régler le problème, hein. Voilà. C'est mieux dit. Ça ne suffit pas à la grève, peut-être. Bien. Parce que ce serait, de mon point de vue, comme mettre un sarcophage sur un volcan en ébullition, un volcan en éruption. Je pense qu'il y a un vrai problème, comme je vous l'ai indiqué dès le départ. Vous ne pouvez pas prendre deux cultures générales, deux peuples, parce que la façon dont la région anglophone a été administrée, indépendamment des ethnies et autres, est fondamentalement différente de la façon dont la partie francophone a été administrée. Pourtant, les deux ont été juxtaposés et doivent coexister. Très bien, c'est le choix, j'y adhère sans aucun problème. Sauf qu'à partir de ce moment-là, il faut une orientation politique de la façon dont les deux vont faire pour fonctionner ensemble. Et cette orientation politique doit pouvoir évidemment pas être figé dans le temps, puisque tous les 10, 15, 20 ans, on doit pouvoir remettre, tout à fait revisiter pour pouvoir se dire, est-ce que nous sommes toujours sur la bonne voie? Malheureusement, ce travail n'a jamais été fait. Et quand je prends simplement le propos de mon confrère, est-ce que anglophone aujourd'hui, c'est parce qu'on vit dans une zone qui autrefois était sous domination française, ou alors anglaise, ou alors c'est que, lorsque, en d'autres termes, si on est en zone anglophone, peu importe que vous ayez des responsables fonctionnaires, avocats, juges ou enseignants francophones ou anglophones, il faut qu'ils vous administrent leurs connaissances dans la langue que vous comprenez. Ou alors, on veut nécessairement que ce soit des anglophones qui permettent de comprendre l'histoire, qui enseignent l'histoire, la géographie ou le droit
de la partie anglophone. Donc ces questions-là méritent d'être, de mon point de vue, suffisamment. Je voudrais vous signaler que nous, on a été, moi j'appartiens à une génération qui a fait ses études universitaires ici à l'université de Yaoundé, qu'on appelait à l'époque Ngoékélé, où nous avions des enseignements qui étaient donnés aussi bien indistinctement en français ou en anglais, sans qu'on ne se pose la question de savoir si on va être évalué en français ou en anglais. Vous aviez le choix de la langue, comme l'enseignant qui venait vous donner le cours avait également le choix de la langue dans laquelle il vous donnait le cours. Donc ces façons de faire, qui me semblaient être idéales dans le cadre de l'orientation politique de ce moment-là, étaient bonnes. Peuvent-elles être transposables géographiquement et dans le temps? Toutes ces questions méritent évidemment d'être posées sur la table au cours d'assises d'états généraux pour pouvoir être envisagées. Je pense, à titre personnel, moi j'ai grand espoir, parce que vous pouvez observer qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel est le cas pour Douala, mais à Yaoundé, nous avons de plus en plus de familles qui sont francophones au départ, mais qui font scolariser leurs enfants dans des écoles typiquement anglophones. Donc je pense qu'à terme, ce problème va être réglé, mais il va falloir attendre qu'une génération soit passée pour pouvoir voir les résultats concrets. Sur les états généraux de la justice. Les états généraux de la justice, évidemment, c'est une très bonne chose. Naturellement, moi j'appelle des états généraux de la justice de longue... Ça risque d'être l'inverse. C'est-à-dire ? Ces enfants qui vont devenir anglophones ou bien d'expression anglaise vont demander que le pays soit... n'est-ce pas, transformé en zone anglaise. Ça risque de... Non, vous savez, quand on attend le futur, il faut faire attention. C'est parce que ces enfants-là ne sont plus l'enfant d'expression française. Ils sont plus, ils ne s'expriment plus en français. Ils s'expriment en anglais. Ils vont demander maintenant l'inverse. Que bon, tout le Cameroun, n'est-ce pas, soit fait en anglais. Vous voulez faire quoi encore? Ça va, le problème va commencer. Donc il faut le régler maintenant. Tout à fait. Très bien. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des états généraux. Il y a eu les états généraux de l'éducation. Et du travail sérieux avait été fait. Mais nous sommes encore engouffrés dans des problèmes. Excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi. C'est l'émotion. C'est les émotions. D'accord. Parce qu'il est touché, le fond, il a vraiment touché. Je suis entre deux mètres. Alors je sais. Non, pour dire que... ça restera encore un peu l'aspect technique. On peut faire les états généraux de la justice, il faut certainement le faire pour faire le diagnostic. Mais il faut savoir où on va. Est-ce qu'on va accepter de ne pas avoir de système camerounais et d'avoir deux sous-systèmes juxtaposés et dire que bon, c'est ça la solution pour nous dans 20 ans, dans 50 ans. Voilà comment ça se pose. L'école, pareil. Donc, nous avons peut-être, c'est pas moi, il faudra revisiter comment est-ce qu'on a été amené à s'asseoir pour dire que notre pays égale deux sous-systèmes pour chaque domaine. Quand est-ce qu'on va construire notre système à nous? Voilà le genre d'assises nécessaire pour que bon, il y ait l'orientation dont a parlé Maître Sirap. Je sais peut-être qu'il n'est pas d'accord avec moi. Et là, quand on a donc cette orientation, à ce moment-là, les assises techniques sont assises sur quelque chose qui permette de réfléchir. Et à ce moment-là, on ira plus vite. Et je dis que si on ne revisite pas comment on en est arrivé là, on aura beaucoup de problèmes. Allez-y, Maître Claude Assia, vous avez été coupé sur la question voilà, des... C'est ça qui me faisait sourire, simplement, parce que je pense que vous m'avez peut-être un peu sanctionné pour la longueur. Je suis désolé, mais oui, je vous dis, il n'y a personne de raisonnable qui ne puisse pas appeler de ses voeux les états généraux. Moi, on va parler de la justice puisque c'est votre question et que c'est le champ qui me concerne. Mm-hmm. Mais on pourrait parfaitement avoir besoin des états généraux de tout. La sécurité, les transports, des revenus financiers, de l'électricité, de l'eau. Voilà. Je pense que partout où on peut envisager le cadre de bonne foi, de choses qui peuvent permettre l'amélioration de la vie des citoyens. Parce que ces gouvernants, ils ont souvent tendance à oublier qu'on leur donne un mandat pour qu'ils puissent gérer en nos lieux et places, notre bien, notre bonheur. C'est notre bien et notre bonheur d'abord. Donc la justice, oui, pour les états généraux de la justice. Mais simplement, même les états, pour régler l'ensemble des problèmes qui existent depuis la formation des acteurs de la justice, ils ne sont pas que les magistrats, jusqu'au rendu et à l'exécution des décisions de justice. Donc évidemment, oui, pour les états généraux de la justice. Maintenant, les états généraux de la justice, c'est ça votre question, ne peuvent permettre tout au plus de régler le problème que, encore une fois, permettez-moi de revenir dessus inlassablement, à partir du moment où ces états généraux s'inscrivent eux-mêmes dans une direction générale de choses qui ont été arrêtées. Comment doit-on aujourd'hui envisager la problématique de la coexistence
de ces deux entités que sont à la fois la zone anglophone et la zone francophone du même Cameroun. Ce n'est que dans cet élan-là que les États généraux de la justice pourront régler le problème dans le cadre de ce qui concerne la justice. Je suis d'accord avec vous. Merci. Alors, Denis Kobo, ouais. Il y a également ces messages qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Je sais que vous avez eu vent de ces messages, faisant état de ce que ce qui s'est passé à Bamenda était en fait un vaste plan de déstabilisation du Cameroun savamment orchestré. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut y accorder du crédit? Déstabilisation du Cameroun, je ne sais pas s'il n'y a pas une confusion entre le régime et le Cameroun. Parce qu'à titre personnel, si j'ai le moyen de faire partie, bien, je le fais partie maintenant pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'aspiration. Il y a des milliers de Camerounais qui aspirent à diriger ce pays et demain. Moi, je vais revenir sur l'incompétence du régime. Il ne faut pas. Et je ne suis pas d'accord qu'on organise les États généraux pour la simple raison que le régime en place ne peut pas organiser les États généraux. Le syndicat national des journalistes du Cameroun était au palais de congrès en 2012 pour manifester contre les États généraux de la communication que M. Tshiroma tenait avec ses amis. Parce qu'ils avaient trouvé un peu d'argent dans les caisses du ministère de la communication. Ils voulaient manger. Ils ont appelé tous les soi-disant grands journalistes du Cameroun qui sont corrompus jusqu'aux os. Ils se sont retrouvés au palais de congrès. On n'en parle plus. Il y a des états, les états généraux ici, ce n'est pas les mots que nous connaissons, mais ce n'est pas ce qu'ils mettent. C'est pas exactement la même chose. Moi, j'ai rajouté de bonne foi. Hein. Parfois, voilà. Ils sont de bonne foi. Ils sont incompétents. Quand quelqu'un est incompétent, il est de très bonne foi. Il est incompétent. C'est-à-dire qu'il pense que. Quand j'ai vu les ministres parler l'autre jour, ils étaient de bonne foi. Mais ils sont dépassés entièrement. Quand ils parlent, on sent qu'il y a un monsieur qui est dans mon village, qui, quand on est né dans un coin, on a grandi dans ce coin-là. Bon, en tout cas, ils appartiennent à la même secte. Moi, je pense que le Cameroun, ou les Camerounais, j'en parle de leurs oncles, de leurs grands-parents, de nos ancêtres. Nos ancêtres ne sont jamais mis ensemble pour rédiger une constitution. Jamais. Donc, le Cameroun n'a pas une constitution. Nous, les Camerounais, n'avons pas de constitution. Donc, le gouvernement tient une constitution je ne sais pas si c'est des Français ou les autres. Si vous allez dans notre armée, les postes qui existent dans l'armée camerounaise, dans le commandement camerounais, c'est exactement les postes qui existent en France. De l'état-major en haut jusqu'en bas, deuxième section, tout ça, c'est ce qu'on fait en France. C'est ça qu'on applique ici. Les bases aériennes camerounaises, sans avion, sans hélicoptère, c'est sur le modèle français. On en crée. Quand vous allez à l'université, c'est l'endroit le plus pourri au Cameroun. Où des gens qui ont eu des diplômes en toute bonne foi, ici, côtoient ceux qui n'en ont même pas eu. Vous voyez des gens qui sont des professeurs, des grands magistrats. Plus tard, ils deviennent pasteurs. On dit non, lui, il n'a même pas de diplôme, il n'avait pas le droit d'enseigner ici. C'est lui qui vient même donner des leçons à celui qui a tel autre enseignant qui a fait ses études normalement, qui a fait ses preuves partout ailleurs. Donc, à l'université, c'est une mafia. Si une mafia est chargée de former l'élite d'un pays, c'est très grave. Moi, j'étais à l'université de Douala tout récemment. Les enfants qui sont envoyés à l'école par les parents, ça c'est à même le sol. On a vu des jeunes filles escalader des murs pour aller se frayer une petite place dans ce qu'on appelle amphithéâtre. Entre-temps, vous voyez un chef d'État qui dit « Je vous donne 75 milliards en ordinateur, sans salle de classe, sans salle de cours, sans ordinateur à l'école. » Il faut que nous, on ait une constitution rédigée par les Camerounais. Si les Camerounais de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud se mettent ensemble, parce que nous ne sommes pas encore en Centrafrique ou ailleurs où il y a la guerre, on peut rédiger une constitution qui adresse toutes ces questions-là. Si on veut construire un système, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui disent qu'on a deux cultures, la culture francophone, la culture anglophone. C'est faux. Le Cameroun n'a pas deux cultures. Mm-hmm. C'est archi faux. Donc si c'est sur la base de la culture anglophone, la culture francophone, qu'on va se mettre pour fonder, c'est pour que ça tombe demain. Et moi, je suis d'accord avec lui. Ça va tomber, ça va s'effondrer parce que les enfants, les nôtres, nous-mêmes, nous avons encore, dans 35 ans, on n'a pas la devise, on va se rendre compte que c'est une duperie. Il faut que ceux qui pensent Cameroun, moi, ceux qui sont du Cameroun anglophone parlent du Cameroun, même s'il y avait deux os. Ceux qui sont de ce côté parlent du Cameroun. Donc, on a au moins en commun le Cameroun. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas la même histoire en réalité et réclamer un Cameroun occidental et un Cameroun oriental. Donc, comment est-ce que vous comptez partager ce patrimoine?
Le nom-là, qu'est-ce qui vous le donne, vous, en commun? Il faut que les Camerounais des quatre coins, des quatre grandes régions, se mettent ensemble pour définir qui ils sont, pour définir où ils vont. Si on ne le fait pas, tous les jours, il y a des problèmes. Maintenant, vous avez parlé de déstabilisation. C'est quand on n'a pas de réponse aux problèmes réels que posent les peuples qui ont un problème. Par contre, je suis aussi d'accord que ceux qui transforment le malaise de nos frères, de nos sœurs qui sont au sud-ouest, qui sont au nord-ouest, en revendication sécessionniste, sont les ennemis de ce peuple-là. Parce que ce peuple n'a pas dit de façon formelle que notre mal-être, c'est le fait, vient du fait que nous ne soyons pas dans un état autonome. Mm-hmm. Ils disent qu'ils sont mal gouvernés. Comme les gens qui sont ici au sud, qui sont au littoral, au centre, disent. Alors, si le problème, c'est que le pays n'est pas bien gouverné, il faut que tous les enfants du Cameroun réfléchissent ensemble à comment est-ce que le pays peut être bien gouverné. Est-ce qu'on va, parce que le pays est mal gouverné, dire que ceux qui sont de Yabassi vont avoir leur état? Qui vous dit que les gens qui sont là-bas vont... Si Philomène Rian devient président de la République de quoi anglophone, là, il va devenir complet, il va passer le temps à faire ce qu'il fait dans son bureau tous les jours, à ne prendre aucun acte au bénéfice de ceux qui sont des administrés. Si le ministre des Forêts actuel, qui est du Sud-Ouest, devient président de cette fameuse République-là, est-ce qu'il va cesser de faire brader le bois? Est-ce qu'il va cesser d'aller d'être de connivence avec les Américains qui veulent confisquer l'État à Mundema? Non. Donc, je dis, il faut que les élites francophones et anglophones qui ont ensemble, généralisé la corruption dans ce pays, se mettent un peu de côté pour que les peuples de tous les coins du Cameroun travaillent à ce qui est le bien-être et le vivre ensemble ici. Allez-y, on va rapidement sortir de ce sujet. D'accord. Bon, je plaide moi aussi, comme les autres panélistes, vers un dialogue véritable et de fond. Ça peut arriver à la Constitution et tout et tout. Mais j'admets également que dans la préparation dans cette démarche-là, qu'on accepte qu'il y ait certains Camerounais qui pensent que une solution serait la sécession. C'est leur point de vue. Ce n'est pas le mien, ni celui de mes camarades. Mais justement, il faut préparer les conditions pour qu'on discute un peu sur la table. Nous avons les moyens de leur montrer que ce n'est pas ça la solution, ni historiquement, ni valable aujourd'hui pour les peuples de ce côté-là. Donc, qu'on n'ait pas peur des positions tranchées, mais le plus important, c'est qu'on s'assied et qu'on regarde tranquillement cette Vous cette en pensez situation. Quoi, Maître Claude Assira? Ça, c'est... oui, d'accord. Bon, okay, non, allez-y, si vous n'aviez pas encore fini, je m'excuse de vous avoir coupé. Oui, je dis que c'est ça le plus important. Oui. C'est ça le plus important. Et il ne faut pas avoir peur de cela. Et maintenant, je suis d'accord avec Denis Kubo pour dire qu'il faut être vigilant, mais ne pas avoir peur des intrusions dans notre pays par rapport à cela. Si nous sommes fermes et que nous avons une orientation que nous voulons construire notre pays tous ensemble, même les balles qui viennent de l'extérieur, on peut les rejeter. Mais l'essentiel, c'est que l'on soit dans ce canot-là, qu'on quitte un peu cette situation d'arrogance qui n'a pas la solution, et qu'on engage une sorte de transition vers quelque chose de plus... Et finalement, plus la mauvaise gouvernance semble être le socle de toutes ces revendications. Ça s'appelle mauvaise gouvernance, mais c'est beaucoup plus que cela. Allez-y, Maître Claude Assira. Non, moi, je voudrais plutôt m'adresser à mon copanéliste Denis Kubo. On s'est rencontré tout à l'heure, je lui ai dit que j'appréciais beaucoup ses positions. Il est sincère, il est intègre, il est honnête. Mais je pense que parfois, dans les élans d'honnêteté, il y a parfois quelques petites contradictions. Et là, j'en ai noté une tout à l'heure. On ne peut pas en même temps dire on n'est pas d'accord pour les états généraux et en même temps demander que les gens se réunissent, puisque ce sont les mêmes personnes que vous récusez pour les états généraux. J'ai dit états généraux de la justice. Tout à fait. Les états généraux de tout. Ce sont, voilà. Il faut parler de tout. C'est ça que je disais, que je suis d'accord. S'il faut parler des états généraux, ça veut dire qu'il y aura la justice. Moi, je suis. Il y aura l'éducation, il y aura la culture, il y aura tout en même temps. Je suis d'accord pour les états généraux parce que tout au moins, je ne dis pas que ça va être la panacée. Je vous explique ma position. Quand vous avez un pays qui est en déficit de communication, de dialogue entre les différentes catégories qui le composent, les gouvernants et les gouvernés en l'occurrence, il n'y a que parce que les uns et les autres vont avoir l'habitude de se parler qu'il va y avoir une sorte de professionnalisation de l'échange.
Et à force de, le jour où vous arrivez aux états généraux de la communication, puisque c'est ça qui vous est resté en travers la gorge, la première fois, vous vous faites avoir, mais la deuxième fois, vous allez arriver avec l'expérience la première. Il y a déjà eu deux états généraux. Vous avez compris ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que voilà, oui. Et vous avez raison. Voilà, tout à fait. Donc, je suis pour les états généraux à fond. Très bien. Vous n'avez pas laissé. Allez-y, en fait, c'est en cours avec le mais temps. Mais que ce ne soit pas une affaire de dupe. Allez-y, mettre. En cours après le temps, en fait. Mais évidemment. Je crois que j'ai répondu un tout petit peu par anticipation à votre question tout à l'heure. Je pense qu'il faut que les uns et les autres, puisque votre question actuelle, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une volonté de déstabilisation? Mais honnêtement, c'est l'argument que tout le monde évoque toujours, les gouvernants évoquent toujours lorsqu'ils ont envie de faire un leurre, d'envoyer les gens vers d'autres. Lorsque vous, vous demandez aux gens de respecter les droits de l'homme, on vous dit non, attention, ne les écoutez pas parce qu'ils veulent déstabiliser le pays, c'est pour ça qu'ils vous le demandent. Les problèmes sont réels. On peut se cacher derrière son petit doigt ou derrière autre chose, ça ne va pas effacer la réalité du problème, qui est que partout dans le Cameroun, eux, dans la zone anglophone, ont une chance, c'est qu'ils sont un peu considérés comme étant une partie à coller. Donc, ils ont une revendication politique qui fait peur, qui est un épouvantail. Mais les revendications des gens de la partie anglophone, vous pouvez les démultiplier. Dans les 8 autres régions du Cameroun, vous trouverez exactement les mêmes. On a besoin d'être... Voilà. Oui. Allez-y, maître. Je pense que oui. Pour avoir les états généraux, c'est une bonne chose. Mais c'est des choses qui se préparent. Moi, je peux proposer que il y a d'abord une commission, n'est-ce pas, qui va donner les orientations, n'est-ce pas, à ces différents états généraux. Parce que cette commission-là, il faut que cette commission soit faite des intellectuels de du Cameroun, n'est-ce pas, qui vont essayer de regarder chaque aspect de notre vie quotidienne, n'est-ce pas, pour faire les thèmes de référence dans chaque état général qui doit se tenir. Parce qu'il est tout à fait normal qu'on a ces états généraux. C'est tout à fait normal. Mais pour le faire, il faut d'abord créer une commission avec les concernés, avec les... C'est un homme d'élite que nous tous, nous le connaissons et nous le respectons pour qu'il puisse donner la direction, n'est-ce pas, à ces états généraux. Merci. Et à ce moment, c'est les mesures conservatoires que je parle. Parce que ces mesures conservatoires vont faire de telle sorte que les Camerounais vont attendre pour voir ce que ça va donner. Merci. Peut-être oui, 30 secondes. J'ai en 30 secondes, juste. Oui. Justement, c'est que, comme il a parlé des élites, les spécialistes et tout, c'est vrai, il y a un aspect spécialiste. Mais je retiens aussi la proposition de Denis Kouno, c'est une affaire des peuples. Parce que c'est les élites qu'on est en train de rejeter actuellement. Ce sont les élites-là qui ont détruit le pays. Voilà. Il faut que ceux qui n'ont pas détruit le pays viennent ensemble pour dire ce qu'on veut être. Et on va... C'est important. C'est ce qu'on appelle la transition politique. C'est difficile. C'est une obligation. Mais il faut réfléchir dans ce sens-là. Il faut réfléchir dans ce sens-là et interpeller notre peuple. Merci, messieurs. On prend la transition et on se retrouve ici pour parler du budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2017. Transition. Oui, parce que ça dérange. On parle à présent du budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2017, un examen au Parlement. Alors, Denis Kouno, qu'est-ce que vous pensez du projet de loi de finances pour l'exercice 2017 avec un budget qui s'élève à 4 373,8 milliards de francs CFA? Bon, peut-être qu'on va juste fouiller ce qu'on avait dit en 2015. Lorsqu'on était ici pour parler du budget, nous disions que c'était un budget qui n'était pas réaliste. Lorsque le régime est incapable d'apporter les facilités de base au peuple, les facilités de base, c'est des choses aussi simples que l'eau, l'électricité, les hôpitaux, ils vous font le budget. Et puisque l'élite du Cameroun a le chauvinisme comme l'élément fondateur de la réflexion, chaque fois que le chiffre du budget augmente, on donne l'impression que le pays se porte bien. Si nos informations sont bonnes, le budget 2016 en recettes a été réalisé au 30 septembre 2016 à 36% en recettes de l'État. Oulala. 37. Au meilleur des cas, en recettes, on était à peu près à 40%. Donc vous prenez 40% de 4 200 milliards pour avoir le chiffre de réel des recettes qu'on a eu en 2016.
en 2016. En 2017, avec toutes les tensions sociales qu'il y a, parce que quand on dit quand les gens sont en train de faire la grève au sud-ouest pendant beaucoup de jours, personne ne mesure l'impact de cette grève-là. Au nord-ouest, depuis une semaine, on ne fait rien. Il faut regarder ce que cela a comme incidence sur et les recettes et la croissance de notre économie. Si pour 2017 qui vient, on sera en train de faire les états généraux avec tout ce que cela comporte comme dépenses, si le régime ne pense pas apporter des solutions concrètes à l'ensemble des problèmes qui se posent, le climat social ne sera pas serein en 2017. Et on ne voit pas comment est-ce qu'un pays qui n'a pas pu recouvrir 50% de recettes en 2016 vient augmenter l'assiette pour 2017. Quoique c'est un budget qui est fait pour les élections. Très bien. Mais chaque fois, si vous prenez les opérateurs économiques, ils vous diront qu'il n'y a aucun engagement. L'État ne paye pas ses factures. L'État, quand vous avez fait 4200 milliards de budget en 2016, est-ce que vous connaissez un morceau de route de plus de 15 km qui a été réalisé quelque part en 2016? On va vous dire qu'il y a le pont de Voury, mais ce n'est pas sur notre budget que le pont de Voury est en train d'être réalisé. Donc, où est-ce que ces gens de Yaoundé réussissent quand même à trouver des chiffres comme 4 300 milliards? On va peut-être poser la question à Maître Julius. Mais ça peut avoir des conséquences graves. Je crois que le fait, on a parlé de ceux qui peuvent se cacher derrière le petit doigt, en avançant les gros chiffres, il faut qu'ils s'attendent aux gros problèmes aussi, parce que les gens qui ont appris, nous, dans la presse, c'est notre syndicat, on apprend qu'il y a eu quand même le budget a augmenté, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut demander. Maître... Donc, lorsque la demande sociale va se présenter, il ne faut pas qu'on nous dise qu'il Maître... n'y a pas les moyens. Maître Julius H., qu'est-ce qui peut justifier l'augmentation du budget du Cameroun en 2017? Moi, j'ai un autre avis de la chose. Ce n'est pas possible de gérer un pays de 20 millions de personnes avec un budget qui est calculé chaque année. Ce n'est pas possible. Il n'y aura pas le développement. C'est ça qui est le problème du Cameroun. Moi, par exemple, j'ai fait un travail pour l'État en 2004. Je ne suis pas payé jusqu'à ce jour. Où est parti cet argent qui est dans le budget? Donc, cela veut dire que si vous regardez notre pays, on a un pays bizarre. On commence à utiliser le budget à partir du mois d'avril. Vous allez constater qu'entre le mois d'avril et le mois de juin, juillet, il n'y a que des réunions, des séminaires entre les ministères. Les directeurs ne sont jamais là, il n'y a personne au ministère. Donc en fait, on commence à exécuter le budget du Cameroun pendant une période de 4 à 5 mois. Est-ce que c'est possible pour un pays, n'est-ce pas, qui a des projets structurants et qui veut se faire développer? Moi, j'ai constaté que tous les projets structurants ne sont même pas dans ce budget. Comment un pays peut fonctionner hors budget? On se lève un jour, donc, faisons le pont sur le Voury. Pam! On commence à chercher l'argent partout. On dit, bon, demain, c'est une route entre peut-être Douala et Kribi. On commence. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. Notre façon de gérer ne peut pas marcher si on veut se développer. Bon, et vous regardez à l'heure d'Aïdjo, président Aïdjo, excusez-moi. On avait des plans quinquennaux. C'est-à-dire, chaque député de cette zone, de chaque zone, chercher des projets structurants dans leur circonscription et ramener à l'Assemblée. Et sur la base de ces projets, maintenant que le budget est voté, que l'État a besoin de ça dans chaque région, ainsi de suite. C'est pour ça qu'à l'époque, il était facile de faire développer le pays. Mais maintenant, un budget se gère chaque année. La loi de finances change. Visiblement, c'est difficile même de comprendre la loi de finances dans ces pays. Parce qu'avant de réaliser, n'est-ce pas, de préparer pour un projet que vous voulez suivre au Cameroun, un an passe, la loi change. Vous devez commencer à voir le projet, n'est-ce pas, dès le début. Non. Alors, c'est irréaliste. Le pays ici est gérable. D'accord. Non. Vous savez, il ne faut pas mélanger. Il a précisé au début de l'émission. Ça n'a pas marché parce que l'administration est gérée, n'est-ce pas,
chaque année. C'est pas normal. Alors, maître Claude Assira, réaliste ou pas ce budget finalement? Je veux dire, dans le contexte économique actuel, avec la baisse du prix du baril du pétrole sur le marché international, la baisse des prix des matières premières, la guerre contre Boko Haram, réaliste ou pas finalement ce budget? Que quand vous avez dit ça, vous avez pratiquement tout dit. C'est un budget vraiment l'incantation, un budget totalement incantatoire. Comme malheureusement on est toujours dans la loi de l'incantation au Cameroun. Quand on vous dit par exemple que développement, émergence à l'horizon 2035, sur la base de quoi a-t-on fixé 2035, pourquoi pas 2017 ou 2018? Vous voyez, il n'y a absolument rien sur la base de quoi on fait asseoir une proclamation qui n'a qu'un caractère creux pour endormir les gogos. Parce que, évidemment, avant de prévoir, de préparer un budget, il y a des choses auparavant. Il aurait fallu, par exemple, vérifier l'exécution du budget de l'année précédente, c'est-à-dire faire le ratio, le rapport entre les recettes qui étaient prévues et les recettes réelles, les dépenses prévues et les recettes réelles. On n'en a absolument aucune appréciation. Ensuite, il faut pouvoir envisager, évidemment, les hypothèses macroéconomiques pour pouvoir faire le budget. Ça suppose, vous avez donné quelques pistes tout à l'heure, le prix du baril du pétrole, voilà, oui, qui n'arrête pas de baisser chaque jour pratiquement, et sur lequel pourtant est adossé une grande partie du budget de l'État du Cameroun. Il faut également pouvoir savoir quelles sont les prévisions de croissance, quelles sont les prévisions de chômage, quel va être le déficit, la balance commerciale, cet ensemble de choses. Les APE, tout à fait. Est-ce que les recettes pédouanières... On n'a aucune vision. Donc, on vous donne un chiffre simplement comme ça. Et puis voilà, débrouillez-vous. Donc, si il n'est pas, pour répondre à votre question, on ne peut pas en avoir une appel. Il est au moins, extrêmement brumeux, ténébreux et nébuleux. Et à l'heure actuelle, il ne tient que pour ce qu'il vaut, c'est-à-dire un chiffre qui a été balancé. Voilà. Alors, Alexine Desmas, on va sortir par vous. Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement du budget de l'État du Cameroun en 2017, lorsqu'on sait que de nombreux projets inscrits dans le budget de 2016 n'ont pas été réalisés à la date d'aujourd'hui? Bon, je n'ai pas la vision complète de ce budget, mais il faut déjà remarquer que 4 milliards, 3, je ne sais plus combien là. 4 373,8 voilà. Milliards de francs, c'est ça. Ce n'est pas ça qui suffit pour régler le problème. Déjà, il faut déjà savoir que ce n'est pas assez. Et pour deux raisons. La première, c'est que Monsieur le ministre, le PM, a dit qu'il y a une croissance. Donc, les Camerounais ont produit davantage. Donc, il est donc logique que l'assiette budgétaire collective soit augmentée. Donc, c'est logique. Plus donc, la deuxième raison, c'est que les besoins sont tout aussi nombreux. Mais quand on regarde alors justement notre budget, ce n'est pas 4 milliards qu'il faut. Il faut beaucoup plus que cela. Et on va donc regarder en détail. Bon, la santé aura peut-être 250 milliards. On se souvient de tous les scandales qu'il y a eu dans la santé cette semaine. Voilà, donc quand on va remonter, on va se rendre compte que ce qui est produit, ramené au niveau de la santé, c'est à peine 1%. Voilà les éléments qui comptent. Ça veut dire que, en réalité, ce qu'on amène dans le budget est disproportionné par rapport à ce que les Camerounais produisent. On va aller à l'éducation, on va dire que le budget d'éducation est le plus gros, mais ça n'ira pas bien loin, ce sera peut-être 2 ou 3%. Dans les pays qui veulent que l'éducation soit correcte, on est dans les 6 à 7%. Et là, on n'aura pas 150 élèves en classe, parce que 150 élèves, ce n'est pas l'école. Donc, voilà les questions sur lesquelles les députés devraient donc pouvoir se pencher. Tout l'argent, là, donc, va où? Et par exemple, on va dire que bon, l'État, qui est actionné dans plusieurs sociétés, qui déclare des milliards et des milliards, où est cette contribution-là dans le budget? Parce que le plus dont on a parlé tout à l'heure, vous savez où on va les chercher? Eh bien, on aura plus d'impôts, on aura plus, même à la consommation, on va payer toujours plus et tout et tout. C'est ça, le problème. Donc, on est dans une gestion qui pose le problème de là où on était tout à l'heure au début, comment on organise notre bien-être. Est-ce qu'on est d'accord que le travail des Camerounais, les ressources des Camerounais doivent aller améliorer les conditions de vie des Camerounais ou bien à enrichir une poignée d'individus? Voilà la question. Donc, moi, si j'étais à l'Assemblée, j'aurais des questions à poser à ce gouvernement par rapport à la nature de notre budget. On est sûr que ce budget-là, comme tout ce qui va à l'Assemblée, sera adopté tel quel. Bien sûr. Ça a adopté. Il est adopté à l'avance. Je dis, pour construire un pont, il faut au moins 24 Merci. Mois. Et donc, si le budget est seulement pour un an, on va faire comment après un an? Et donc,
Donc, on fait comment le déficit et l'excédent. Nous avons besoin de définir notre bien-être ensemble. Hein. Comment on organise notre vie. Et là, on revient un peu au premier problème. Je ne sais pas si vous avez fait exprès, mais c'est cohérent. Nous avons besoin de définir vers où on va. Et c'est ce que nous, on a appelé la transition. Merci, messieurs. Merci, Maître Julius Sachou, d'avoir accepté notre invitation. Vous revenez quand vous voulez. Merci également à vous, Alexis Indema. Vous revenez, bien sûr, quand vous voulez. Merci, Maître Claude Assira, d'avoir effectué les déplacements. Je reviens quand je veux, si vous m'invitez. Bien sûr. Merci également à vous, des disques beaux. Quelqu'un me disait sur Facebook, je crois, mais pourquoi vous présentez toujours des disques beaux en début d'émission alors que tout le monde le connaît? Mais c'est vrai, parce que ça m'a échappé tout à l'heure. Ça m'a échappé tout à l'heure. Il a eu le temps de présenter le leader Maximo qui nous a quittés. Mais j'avais aussi quelque chose au niveau local que je tenais absolument à dire. Nous avons perdu M. Moïne Gaspard, qui est un de ces, quand il était donc tout jeune en 76, c'est eux qui ont accepté de braver la dictature sinistre néocoloniale. Et bon, il nous a passé cette semaine. Bon, je tenais à lui rendre un hommage. La jeunesse peut faire lorsque la patrie est en difficulté comme maintenant. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée demain lundi lorsqu'il sera 14h. Également jeudi lorsqu'il sera 13h. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectre Télévision si bien sûr Dieu le veut. Alors à dimanche. We'll be right back.